Après avoir disséqué le chat, vous avez dit « Un jour, je veux apprendre à faire cela à une personne. » Vous avez été reconnu coupable par le jury du meurtre de Jorge Martin Carreño. Je dois vous condamner. La peine est fixée par la loi. Il s'agit de la réclusion à perpétuité. Ma tâche consiste à déterminer la durée minimale. C'est la durée que vous devrez purger en prison, quoi qu'il arrive. Même après avoir purgé cette peine, vous resterez en prison jusqu'à ce que la commission des libérations conditionnelles décide que vous pouvez être libéré en toute sécurité. Je fonde ma sentence sur des faits dont je suis sûr, après avoir entendu les preuves au cours du procès, et sur les déclarations personnelles des victimes lues aujourd'hui avec une grande dignité par le frère de Jorge, Gerardo Martin Carreño, et sa mère, Carmen Carreño. Le 25 juillet 2021, Jorge venait d'avoir 30 ans. Il était l'un des trois triplés qui ont grandi ensemble et étaient les meilleurs amis du monde. Ses frères et ses parents le décrivent comme quelqu'un qui rayonnait de gentillesse et d'humour et qui répandait la joie avec son esprit et sa curiosité contagieuse. Il était toujours prêt à aider et à prêter une oreille attentive aux autres. Sa vie était remplie d'amour pour la musique, la photographie, l'escalade et le sport. Il avait étudié l'ingénierie électrique et rêvait de faire la différence dans le monde. Il utilisait ses compétences d'ingénieur dans son travail ici, à Oxford, à l'usine BMW de Cowley. Les déclarations personnelles de la victime font état de l'impact profond que sa mort a eu sur sa famille. Ils ont passé des nuits blanches et des journées noyées dans le chagrin, comme ils l'ont dit. Ils décrivent la profonde blessure que la perte de Jorge a laissée dans leur cœur. Au cours du procès, la cour a également entendu le témoignage de l'ex-partenaire de Jorge, Irène Hidalgo. Elle l'a décrit comme la personne la plus gentille qu'elle ait jamais rencontrée. Elle lui a parlé le 7 juillet, jour de son anniversaire, et lui a dit qu'il était positif et qu'il se réjouissait de l'avenir. Positif et tourné vers l'avenir. Elle se souvient de la clarté de ses yeux. Son chagrin face à la mort de l'homme qu'elle avait aimé était palpable. Jorge a été arraché à ses amis et à sa famille, parce que vous, Scarlett Blake, l'avez tué. Vous l'avez fait au bord de la rivière Charwell, à Parsons Pleasure, vers 5h15 du matin du 25 juillet 2021. Il n'est pas possible de dire exactement comment. Très probablement, vous l'avez frappé à l'arrière de la tête par derrière avec une bouteille de vodka ou un autre objet que vous aviez apporté dans votre sac à dos. Vous l'avez ensuite étranglé en exerçant une pression sur les vaisseaux sanguins situés juste sous la mâchoire, à l'aide de vos mains ou d'une ligature large. Vous l'avez ensuite jeté dans la rivière où il s'est noyé. Vous l'avez peut-être maintenu dans l'eau tout en l'étranglant. Quoi qu'il en soit, vous aviez l'intention de le tuer et vous l'avez tué. Votre décision de tuer Jorge n'était pas une réaction à quelque chose qu'il avait dit ou fait. Ce n'était pas une erreur passagère. Ce n'était pas une décision prise sous le coup de la colère ou parce que vos émotions vous ont submergé. C'était l'aboutissement d'un plan que vous envisagiez et formuliez depuis des mois. Les messages que vous avez envoyés avant et après le 25 juillet montrent une obsession pour le mal et la mort. Vous partagiez cet intérêt avec Ashlyn Bell, une autre femme transgenre rencontrée sur Internet. Vous et elle avez développé une relation en ligne. Vous avez dit à la cour que vous ne vouliez pas tuer une créature vivante, et encore moins une personne, et c'est Ashlyn qui vous a poussé à le faire. Vous avez attribué vos intérêts morbides à un dédoublement ou à une dissociation de la personnalité,
en utilisant le langage de la psychiatrie ou de la psychanalyse. Vous avez adopté le personnage d'un chat. Vous avez parlé des difficultés que vous avez rencontrées depuis votre transition dans l'enfance pour vivre en tant que femme et de vos relations difficiles avec vos parents. Tout cela faisait partie d'une tentative élaborée de rationaliser ce que vous aviez fait et de rejeter la responsabilité sur les autres. Rien ne prouve que vous souffriez d'une maladie mentale ou d'un autre trouble mental. Ce que vous avez fait n'est pas la faute d'une société qui ne vous a pas accepté. Ce n'est pas la faute de vos parents. Quel que soit le rôle qu'Ashlyn Bell ait pu jouer pour vous inciter à tuer, elle est restée aux États-Unis. Elle ne vous a pas contrôlé ni dirigé. Même si la décision a été motivée en partie par le désir de lui plaire, la décision de tuer était entièrement la vôtre. En mars de cette année, en guise de cadeau pour Ashlyn, vous avez décidé de filmer et de diffuser en direct un acte de cruauté grotesque envers un chat appartenant à la famille Sebald, vos voisins. Vous avez prévu d'attirer et de piéger ce chat. Vous avez acheté une cage à chats et de la nourriture pour chats et les avez utilisés à cette fin. Vous avez installé des lumières et une caméra sur un trépied pour enregistrer ce que vous faisiez. Comme l'indique clairement l'enregistrement, ce qui vous a le plus plu était de voir l'animal haleter et paniquer avant qu'il ne meure. Dans votre témoignage, vous avez dit au jury que vous aviez fait tout cela pour faire plaisir à Ashlyn Bell et que vous n'en tiriez aucun plaisir. Apparemment, c'est sérieux. Vous avez invité le jury à croire que vous désapprouviez les personnes qui sont cruelles envers les animaux. Le son que nous avons tous entendu et les photos et clips vidéo que nous avons vus de vous souriant et riant tout en posant avec la tête coupée de l'animal ne laissent aucun doute sur le fait que vous avez personnellement apprécié ce que vous faisiez, ainsi que le plaisir qu'Ashlyn Bell en a retiré. Après avoir disséqué le chat, vous avez dit « Un jour, je veux apprendre à faire cela à une personne ». La vidéo a été réalisée avec soin et comprend le morceau « True Faith » de New Order qui passe en boucle. Ce même morceau figure dans le documentaire de Netflix sur un homme qui tue des chats avant de tuer des gens. Vous avez déclaré que le choix du morceau n'avait rien à voir avec le documentaire. Je suis sûr que ce n'est pas vrai et que le documentaire a contribué à cimenter dans votre esprit le lien entre tuer un chat et tuer une personne. Vers 2h30 du matin, le 25 juillet 2021, vous avez pris une photo de vous portant une veste de combat. Vous avez admis dans votre témoignage que le but était d'avoir l'air sombre et menaçant, une apparence qu'Ashlyn Bell apprécierait. Vous lui avez envoyé la photo. Je suis sûr que lorsque vous avez quitté votre domicile après 3 heures ce matin-là, vous portiez la veste de combat avec la capuche relevée, un masque et un sac à dos contenant une bouteille de vodka. Vous aviez l'intention de chercher une victime à tuer. Plus tard, vous avez envoyé à Ashlyn Bell la veste de combat que vous portiez la nuit où vous avez assassiné Georges, en lui expliquant sa signification. Lorsqu'elle a été retrouvée, elle était recouverte du sperme d'Ashlyn Bell. Vous vous êtes rendu dans le centre d'Oxford, où vous saviez que vous trouveriez des personnes vulnérables après avoir bu. Vous avez parcouru le centre-ville à la recherche d'une personne convenable. Vous avez trouvé George assis par terre près de la caméra Radcliffe. Il était perdu. Vous auriez pu l'aider à retrouver le chemin de la maison. Au lieu de cela, vous l'avez persuadé de vous accompagner dans une direction qui n'était pas la sienne. Vous l'avez emmené à Parsons Pleasure, où vous étiez déjà allé plusieurs fois. Vous l'avez fait parce que vous saviez que c'était un endroit isolé et qu'à 7 heures du matin, avant le lever du soleil, ce serait un bon endroit pour le tuer, sans être vu et sans être dérangé.
Non seulement vous n'avez montré aucun remords pour ce que vous aviez fait, vous êtes retourné sur les lieux dans les jours qui ont suivi la découverte du corps de George pour prendre des photos du mémorial laissé par sa famille en deuil et de l'arbre à côté duquel vous l'aviez tué. Vous l'avez fait afin d'améliorer vos références en tant que tueur auprès d'Ashlyn Bell. Vous êtes retourné au même endroit plus d'un an plus tard avec une autre partenaire à qui vous vous êtes également vanté d'avoir tué Jorge. Elle a pris une photo de vous à côté du même arbre. Cette photographie était un autre souvenir du meurtre que vous aviez commis. Elle reflétait le plaisir que vous tiriez de votre statut de meurtrier. La prise de ces photos et l'usage que vous en avez fait témoignent d'un profond mépris pour la souffrance que vous avez infligée à la famille de Jorge. Vous étiez totalement indifférent à cette souffrance. Il y avait une autre indication de ce mépris, bien qu'elle n'affecte pas ma décision sur la peine minimale. Il s'agit de la suggestion faite en votre nom et sans doute sur vos instructions que Jorge aurait pu se suicider. Cette suggestion ne pouvait qu'être profondément bouleversante pour la famille et les amis de Jorge. Si elle avait été fondée, ils auraient pu se demander s'ils auraient pu faire quelque chose pour le sauver. Il n'y avait aucune vérité dans cette affaire. Toutes les preuves montrent que Jorge était heureux et qu'il se réjouissait de l'avenir. Sa famille et ses amis n'auraient jamais pu savoir ce que vous aviez prévu pour lui, et ils n'auraient rien pu faire pour le sauver. Je dois appliquer les dispositions de l'annexe 21 de la loi sur les peines de l'année. J'ai examiné attentivement si la gravité de l'infraction est particulièrement élevée aux fins du paragraphe 3. En vertu du paragraphe 3E, les cas qui entrent normalement dans cette catégorie comprennent les meurtres impliquant un comportement sexuel ou sadique. Cette expression a été examinée par la cour d'appel dans l'affaire Crown and Maynard Ellis. Dans cette affaire, au paragraphe X-18, la cour a souligné la nécessité de se concentrer sur le comportement, c'est-à-dire, entre guillemets, sur toutes les activités qui se produisent. Ce sont ces activités qui doivent être sexuelles ou sadiques pour que le paragraphe 3E s'applique. Une motivation sexuelle ou sadique ne suffit pas. Bien qu'une telle motivation joue un rôle, et peut jouer un rôle important dans l'évaluation globale de la gravité de l'infraction. Cela est conforme à l'arrêt Crown and Walker, dans lequel il est dit, au paragraphe X6, que l'accent doit être mis sur les actes qui ont entraîné la mort de la victime ou qui l'ont accompagnée. Elle est également conforme à la décision rendue dans l'affaire Crown and Rahil Khan au paragraphe 14, qui approuve une déclaration antérieure selon laquelle, malheureusement, il arrive souvent que ceux qui attaquent les autres tirent du plaisir à le faire, et cela ne suffit pas pour engager le paragraphe 3E de l'annexe 21. Les autorités m'obligent donc à me concentrer sur le comportement impliqué dans cette affaire en le distinguant de sa motivation. Dans cette optique, je garde à l'esprit qu'il n'existe aucune preuve d'agression sexuelle sur Jorge, que ce soit de son vivant ou sur son corps après sa mort. Il n'y a pas non plus de preuve d'une quelconque activité sexuelle sur les lieux ou immédiatement après le meurtre. Bien qu'il y ait de nombreuses preuves que vous avez tiré une satisfaction sexuelle de la strangulation, et je suis sûr que vous avez étranglé Jorge, cela ne suffit pas à faire entrer ce que vous avez fait dans la catégorie de la conduite sexuelle, telle que cette expression a été interprétée par la cour d'appel. Il est difficile de tirer une conclusion définitive sur le temps qu'il vous a fallu pour tuer Jorge, mais il semble probable que vous l'ayez fait relativement rapidement.
En tout état de cause, il n'y a pas de preuve du type de comportement sadique requis pour engager le paragraphe 3.2e. J'ai soigneusement gardé à l'esprit que les catégories mentionnées au paragraphe 3.2 sont des exemples de cas dans lesquels la gravité de l'infraction sera particulièrement élevée. Comme l'a noté la Cour d'appel dans l'affaire Haight et Anderson au point GIS 18, la liste des exemples n'est pas exhaustive. Néanmoins, les cas dans lesquels le paragraphe 3.1 est appliqué en dehors des catégories énumérées au paragraphe 3.2 sont susceptibles d'être rares. J'ai conclu que ce cas n'en fait pas partie. Bien qu'il présente de nombreuses caractéristiques aggravantes inhabituelles, celles-ci ne sont pas de nature à le rendre équivalent aux catégories mentionnées au paragraphe 3.2. J'ai ensuite examiné si le paragraphe 4i s'appliquait. Il s'appliquerait si vous aviez apporté une arme sur les lieux dans l'intention de commettre une infraction, ou si vous l'aviez à votre disposition pour l'utiliser comme arme, et si vous l'aviez ensuite utilisée pour commettre le meurtre. Il est probable que vous ayez emporté une arme dans votre sac à dos. Il peut s'agir de la garrotte dont vous vous êtes vanté auprès d'Ashland Bell. Il peut s'agir d'une ligature, comme le cordon de votre peignoir imprimé léopard. Il peut aussi s'agir d'un objet que vous auriez pu utiliser pour provoquer une blessure par objet contondant. Mais je ne peux pas être sûr que vous ayez emporté l'un de ces objets avec vous. La seule chose dont je suis sûr, c'est la bouteille de vodka. Si, comme cela semble probable, vous l'avez utilisé pour frapper Jorge à l'arrière de la tête, je ne peux pas être sûr que vous l'ayez apporté avec l'intention de l'utiliser comme une arme. Je ne peux pas exclure la possibilité que, quel que soit votre plan, vous ayez tué Jorge en utilisant uniquement vos mains ou des objets trouvés sur les lieux. Il s'agit donc d'une affaire à laquelle s'applique le paragraphe 5. Le point de départ fixé par le Parlement est donc de 15 ans. Il s'agit cependant d'une affaire beaucoup plus grave que la plupart des affaires de cette catégorie. Il y a 5 caractéristiques particulières qui le rendent ainsi. Il y a une interrelation entre elles, mais elles sont en principe distinctes, et chacune d'entre elles est importante pour évaluer la gravité de ce que vous avez fait. Premièrement, il y a eu un degré très important de préméditation. Je suis convaincu que l'idée de tuer une personne vous avait déjà traversé l'esprit avant que vous ne tuiez le chat en mars 21. C'est pourquoi vous avez dit que vous vouliez apprendre à faire cela à une personne. Sans doute avec l'encouragement d'Aislinn Bell, le fantasme de tuer une personne est devenu un plan. Ce plan s'est concrétisé sur une période de 4 mois. Entre mars et juillet 2021. Lorsque vous avez quitté votre domicile au petit matin du 25 juillet 2021, je suis sûr que vous aviez l'intention de tuer quelqu'un depuis un certain temps. Deuxièmement, le meurtre a également fait l'objet d'une planification importante. La date et l'heure ne sont pas le fruit du hasard. C'était le premier week-end après que les boîtes de nuit ont été autorisées à ouvrir suite à la levée des restrictions Covid. Vous saviez qu'entre 3 et 4h30, un dimanche matin, vous aviez de bonnes chances de trouver quelqu'un de vulnérable. C'est pourquoi vous avez choisi ce moment pour vous rendre dans le centre d'Oxford. Vous avez porté une attention particulière à votre tenue vestimentaire en prenant une photo de vous avec la veste, qui est devenue un symbole macabre de ce que vous aviez fait. Et vous aviez identifié à l'avance Parsons Pleasure comme un endroit où vous pouviez tuer sans être vu ou dérangé. Troisièmement, bien que vous ne connaissiez pas votre victime, vous l'avez choisie de manière délibérée. On peut vous voir sur la caméra de surveillance en train d'attendre. Lorsque vous êtes tombé sur Jorge, vous l'avez choisi précisément parce que vous pensiez qu'il avait l'air vulnérable
assis comme il l'était sur le sol à 4 heures du matin, plus petit et plus mince que vous, et susceptible d'avoir bu quelque chose. Vous avez dû découvrir, après avoir engagé la conversation avec lui, qu'il avait perdu son portefeuille et qu'il n'arrivait pas à retrouver son chemin. Vous l'avez choisi et confirmé comme victime potentielle en raison de sa vulnérabilité. Quatrièmement, vous avez décidé de tuer quelqu'un parce que vous pensiez qu'Ashlyn Bell trouverait cela sexuellement excitant, ce qu'elle a effectivement fait. Comme vous l'avez dit plus tard à un autre partenaire, vous avez tué, je cite, « parce que mon amant a dit que ce serait chaud ». Fermez la citation. Il y avait donc une motivation sexuelle évidente pour le meurtre. Vous pensiez également que vous tireriez du plaisir, sexuel ou non, de l'expérience de tuer une personne. Je suis certain que vous avez éprouvé du plaisir à tuer Jorge comme vous l'aviez fait pour le chat. Cinquièmement, vous vous êtes délecté de ce que vous aviez fait, revenant au moins 2 fois sur les lieux pour prendre des photos et utiliser consciemment votre statut de meurtrier pour vous assurer l'admiration d'autres personnes qui partageaient votre intérêt pour le mal, la mort et le meurtre. Il y a très peu de choses à dire pour atténuer la peine, bien que j'aie gardé à l'esprit le fait que vous aviez 23 ans au moment de l'infraction. En ce qui concerne le délit de cruauté non nécessaire envers un animal protégé, le Parlement a reconnu, dans la loi sur le bien-être des animaux de 2021, que la peine maximale alors prévue pour ce délit était inadéquate et a porté la peine maximale à 5 ans d'emprisonnement. Cette affaire montre pourquoi cette augmentation était nécessaire. Si vous aviez commis ce délit après l'entrée en vigueur de cette loi, j'aurais imposé une peine privative de liberté importante. Comme vous l'avez commis en mars 21, la peine maximale dont je dispose pour le délit de cruauté envers les animaux est de 6 mois d'emprisonnement. Comme vous avez plaidé coupable pour cette infraction, vous avez droit à une remise d'un quart. Les dommages criminels sont une infraction contre la propriété. Les peines disponibles pour ce délit dépendent donc de la valeur monétaire du bien. On peut à juste titre penser qu'il s'agit d'une manière inadéquate de marquer ce que vous avez fait à un animal, dont la déclaration de M. Sebald indique clairement qu'il s'agissait d'un animal de compagnie familiale bien-aimé. La peine maximale prévue dans les circonstances actuelles est de 3 mois d'emprisonnement. Vous avez à nouveau droit à une remise d'un quart. J'ai tenu compte du caractère criminel des infractions de cruauté envers les animaux et de dommages criminels dans la peine minimale pour meurtre, en gardant à l'esprit que les peines courtes et déterminées qui auraient pu être imposées n'auraient pas été purgées dans leur intégralité. Pour les raisons que j'ai données, elles ne font guère de différence avec la peine minimale, bien que le détail de ce que vous avez fait au chat m'ait permis de me faire une idée plus précise des raisons qui vous ont poussé à commettre un meurtre. Scarlett Blake, levez-vous. Pour le meurtre de Jorge Martin Careno, je vous condamne à la prison à vie. La peine minimale sera de 24 ans, moins les 196 jours passés en détention préventive. La peine minimale sera donc de 23 ans et 169 jours. Il y aura des peines concurrentes de 4 mois pour avoir causé des souffrances inutiles à un animal protégé et de 2 mois pour avoir causé des dommages criminels. La surtaxe légale est d'application. Suivez l'officier.